celle du global.
Merci. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous, à chacune et à chacun. Oui, alors j'allais vous proposer aux intervenants d'enlever les masques, enfin, si vous le souhaitez. Mais évidemment, cette consigne ne vaut que pour la tribune, puisque nous avons une distance suffisante. Bonjour, donc je suis heureux de vous accueillir pour les 13e rencontres de l'IDIES, dans le cadre des GECO, pour la 12e fois. Et cette fois-ci, j'y reviendrai dans le IN, puisque jusqu'à présent, nous étions dans le OFF. Alors, en disant cela, je ne peux pas ne pas commencer par évoquer la mémoire de mon ami, de notre ami, Philippe Frémaux, qui nous a quittés l'année dernière et avec qui nous avions fondé l'IDIES il y a 14 ans. Nous avions l'habitude de nous partager le boulot à l'occasion de ces rencontres. Moi, je faisais la présentation de l'IDIES, puis la conclusion, et lui faisait, parfois avec Aurore, d'ailleurs, l'animation des tables rondes. Là, je vais être obligé de faire les deux. Et vous présenter à la fois l'IDIES, je vais le faire assez rapidement, et surtout la table ronde à laquelle vous participez. Alors, je vais faire une présentation rapide de l'IDIES. Que finalement nous avons décidé de ne pas dissoudre après le départ de Philippe, et qui, son intuition, la nôtre, c'était que l'information économique et sociale, et comme pour le CESE, on pourrait ajouter environnemental maintenant, compte tenu du débat, son pluralisme, sa qualité, la possibilité de débattre aussi sur cette information, était une condition de la démocratie économique, de la démocratie sociale, de la démocratie environnementale. On va maintenir l'IDIES, participons aujourd'hui au GECO, nous participerons à la fin du mois aux journées de l'économie autrement à Dijon, et si certains d'entre vous sont intéressés par l'IDIES, Anne Boulin et moi, on peut vous voir, Anne Boulin qui est au premier rang, on peut vous voir à la fin de la séquence, je ne vais pas en dire plus aujourd'hui. Alors, je voudrais surtout présenter cette table ronde auquel participent Florence Janicatrice, Xavier Timbaud, Denis Clerc et Aurore Laluc, dont je suis vraiment heureux de me retrouver à leur côté. Le débat sur la croissance n'est pas nouveau au sein de l'IDIES, mais on l'avait pris surtout à travers la question des indicateurs de croissance, des indicateurs de richesse, notamment suite au rapport Stiglitz, et accueilli d'ailleurs le forum FAIR, le forum pour des autres indicateurs de richesse qu'anime Florence. Et nous avions d'ailleurs consacré notre rapport 2015 à cette question des indicateurs de richesse. Et puis l'année dernière, dans l'occasion des GECO, nous avions organisé un débat auquel d'ailleurs tu participais et Denis aussi sur cette question-là, en l'honneur de Philippe. Cette année, on a voulu le reprendre un peu autrement, en venant plus en amont, si on peut dire, c'est-à-dire de ne pas se poser la question d'abord des indicateurs, mais de se poser la question de la croissance. À partir, c'est le titre du débat, et je vous avais sûrement entendu dans la radio qu'il est particulièrement d'actualité, à partir de cette opposition entre croissance verte, ce que Greta Thunberg appelle en gros le blablabla, et la décroissance, qui est promue par certains, et que le président de la République a renvoyé aux Amish. On s'est dit que c'était peut-être pas, que ce dilemme n'était pas probablement une impasse, et qu'il fallait essayer de réfléchir autrement à la question de la croissance. Et en partant de ce qui, je crois, d'autres sont plus compétents que moi sur le sujet, mais ils diront ce qu'ils en pensent, était un peu l'intuition de Keynes, qui était de se donner comme objectif le plein emploi, considérant que le plein emploi n'était pas, contrairement à ce que pense l'économie classique, automatique, et qu'il fallait des politiques publiques pour atteindre le plein emploi. Mais en changeant cet objectif. Alors c'est vrai que dans le débat sur le plein emploi et la croissance, d'une certaine façon, il y a eu une inversion de l'intuition keynésienne, que la croissance est devenue un objectif et le plein emploi une sorte de résultante.
Mais c'est vrai aussi et surtout que la croissance fait apparaître, telle qu'elle est aujourd'hui conçue et mesurée par le PIB, fait apparaître des dangers, une forme d'appauvrissement. On a l'impression qu'on s'enrichit, mais en fait, le caractère de plus en plus précoce du jour du dépassement montre qu'il y a un appauvrissement du patrimoine naturel. Et puis, quelque chose qui est peut-être encore plus grave, des risques de catastrophes qui ne sont pas assurables. Les assureurs, aujourd'hui, sont inquiets du réchauffement de l'atmosphère. Je rappelle ça parce que mon métier, à moi, c'est la protection sociale, la mutualité. L'assurance privée et la protection sociale ont été un moyen d'internaliser le coût de ces risques. On les considère souvent comme des prélèvements obligatoires, en tout cas pour la protection sociale, mais il faut rappeler que c'est une façon d'internaliser le coût de ces risques, les risques sociaux ou les risques accidentels. Or, les risques qui apparaissent aujourd'hui, on le voit bien, sont de moins en moins internalisés, et sont de plus en plus difficiles à internaliser parce que probablement ils ne sont pas assurables. Quand je dis probablement, c'est certainement. On voit bien que malgré les promesses d'un monde d'après, on est revenu sur un mode de croissance qui ressemble étrangement au monde d'avant, que ce soit, on voit bien qu'il y a aujourd'hui un retour vers une diminution du chômage, mais avec des recettes qui sont principalement néolibérales. Et je pense que la réforme de l'assurance chômage qui a fini par être mise en place en est une illustration, puisqu'on a préféré taxer les précaires que de taxer les entreprises qui embauchent les précaires. On voit bien que sur le terrain des coûts induits de l'appauvrissement, le jour du dépassement qui avait reculé, qui était avancé l'année dernière, est revenu à ce qu'il était avant la crise Covid. Et le rapport Global Carbon Project montre aussi que le risque catastrophe est toujours aussi important, voire s'accentue. Et la COP26, qui est en cours de réunion, en est une illustration. Et on voit bien qu'on est loin de le couvrir. Donc, l'idée de cette table ronde, c'est d'essayer de vous inviter, et d'abord nous inviter, à reprendre la démarche méthodologique de Keynes, non pas avec un objectif de plein emploi, mais en se donnant un objectif d'utilisation optimale de la ressource humaine, c'est-à-dire le travail, mais aussi de la ressource naturelle, la ressource matérielle de production. Et s'essayer à ce que les philosophes et les épistémologues appellent une expérience de pensée. C'est-à-dire, avant de rentrer dans les techniques de... Bien sûr, on y viendra, puisqu'on est aujourd'hui de l'économie, et l'économie, science lugubre, comme disait Keynes, repose sur le calcul. Mais avant de rentrer là-dessus, d'essayer de voir, d'imaginer ce que les philosophes appellent la contrefactuelle, ce qui aujourd'hui s'appelle une utopie, d'imaginer ce que pourrait être, j'ai envie de dire, une autre croissance. Peut-être faudrait-il parler plutôt de développement, comme on disait dans ma jeunesse, dans les cours d'économie du développement. Une autre croissance, et de voir les conséquences que ça a sur les modes de régulation. Alors, on va pas faire la théorie générale de Keynes appliquée au sujet à la fin de cette table ronde. Mais j'aimerais qu'on puisse dérouler cette hypothèse, cette expérience de pensée avec des personnes qui ont des points de vue souvent convergents, pas surtout, et essayer d'en tirer un peu les éléments qu'on peut en tirer. Donc, je vous propose, on va avoir une petite heure de présentation de chacun des intervenants, donc pour qu'ils aient suffisamment de temps de développer leurs hypothèses, leurs pensées. Et puis, dans un deuxième temps, vers 10 heures, on passera aux questions de la salle. Alors, j'en profite pour dire, c'était pas prévu, enfin, vous ne l'avez pas dit, mais j'ai un petit travail à faire. Vous avez la possibilité d'envoyer des questions. Alors, je m'adresse surtout à ceux qui sont à distance, mais ça peut aussi valoir pour ceux qui sont ici, par SMS. Et je les recevrai sur ce petit appareil. Et puis par ailleurs, évidemment, ceux qui sont dans la salle qui voudront poser des questions pourront le faire à ce moment-là. Ceux qui veulent les envoyer avant peuvent le faire par ce SMS donc, que vous avez à l'écran, 07 67, il est parti, c'est pas grave, vous l'avez noté. Et donc je vais donner la parole successivement à Xavier Timbaud,
J'allais dire qu'il est peut-être le plus keynésien d'entre nous, c'est parce que l'OFCE a cette réputation, mais comme le disait Florence, on est tous keynésiens. Ensuite à Florence, Jeannicatrice, ensuite à Denis, et on terminera par toi, Aurore, pour ce premier tour. Moi, maintenant, je ne fais plus rien, je vous laisse la parole, c'est tout. Avec Xavier. Merci Daniel, merci, et merci pour cette invitation, merci pour ce on au GECO. J'ai juste oublié de remercier, j'avais mis Pascal Lemerrer qui nous a justement mis dans le on cette année, et je peux vous dire que c'est beaucoup plus pratique. Et donc merci à lui et merci de cette invitation. Alors bon, je ne sais pas si je suis le plus keynésien, je ne sais pas trop ce que ça veut dire en fait être plus ou moins keynésien, mais la citation que tu as choisie en exergue de cette session est, je pense, une des plus importantes de Keynes. Donc je vais la lire, je la connais pas par cœur, mais c'est. Mais elle est, c'est une des plus importantes de Keynes. Donc les deux vices marquants du monde économique où nous vivons sont le premier, que le plein emploi n'y est pas assuré, le second, que la répartition de la fortune et du revenu y est arbitraire et manque d'équité. Et donc en fait, je pense que cette phrase, elle résume profondément la pensée de Keynes. Keynes, c'est un élève de Alfred Marshall, qui est un des pères de l'économie classique, un des pères de l'économie néoclassique, un des théoriciens en fait de la main invisible d'Adam Smith. Et de ce point de vue-là, on peut dire Alfred Marshall était un des fondements intellectuels du capitalisme. Et Keynes était un élève de Marshall. Il était très respectueux de Marshall. Et dans cette citation, en fait, il d'une certaine façon, il tue le père. Et en même temps, il accepte un héritage. Alors, il tue le père parce qu'il dit, en fait, le capitalisme a toutes les vertus que Marshall imagine. Et d'ailleurs, dans les conversations entre Keynes et Hayek, dans ses vertus, il y a cette capacité à organiser la société de façon décentralisée, en respectant la liberté de tous et en bénéficiant des énergies vives, en fait, ce qu'on appelle parfois les énergies vives, pour faire fonctionner la société. Mais Keynes porte ce diagnostic, et il est extrêmement important, qui est que ce système est vicié. Et donc vicié, ça veut dire qu'il faut faire quelque chose. On ne peut pas l'accepter en tant que tel. Il n'y a pas de compromis possible, en fait, avec ce système, parce qu'il est vicié. Alors, quand on dit il est vicié, ensuite, on a deux solutions. Soit on dit, on le prend, on le jette, et on passe à autre chose. Et je pense que, pour le coup, la pensée keynésienne, c'est le refus de ce choix, de cette alternative. Bon, à l'époque de Keynes, l'alternative, c'était l'alternative communiste, ou en tout cas soviétique. Et Keynes fait partie de ceux qui ont contribué à pouvoir offrir une troisième voie. Et ce n'est pas la troisième voie de Tony Blair à laquelle je fais référence, mais c'est plus celle de John Rawls, en fait, au final. Une troisième voie au capitalisme. Mais en disant, le capitalisme a des vices et il faut corriger ces vices. Et c'est vraiment en se mettant au-dessus du capitalisme, en l'englobant. C'est pas simplement en faisant ce qu'on appelle parfois une régulation, qui est un mot un peu valise, dont on ne sait plus très bien ce qu'il veut dire, dans lequel on aurait l'impression, vous voyez, que c'est un peu comme une voiture dont on régule la vitesse, par exemple. Je pense que Keynes veut aller plus loin que la régulation. Il est dans une espèce de contrôle du capitalisme, de façon à pouvoir mettre fin au vice. Et si on veut être keynésien aujourd'hui, on est obligé d'ajouter un élément au vice du capitalisme. Et cet élément, c'est la question, on va dire, de la finitude de la planète, des écosystèmes, du climat, des externalités qui sont provoquées par quelque chose que Keynes n'avait pas véritablement anticipé, mais qui est l'extension de l'économie de marché et de la prospérité à une population de plus en plus grande. Alors, ça a été une prospérité très grande après la Deuxième Guerre mondiale, qui s'est étendue à peu près à aujourd'hui 1 milliard d'habitants dans les pays développés, mais c'est aujourd'hui 3 milliards d'habitants dans les pays qui sont sortis du développement, comme la Chine ou l'Inde ou le Brésil, et c'est encore 3 milliards d'habitants qui vivent dans des pays qui sont moins développés, mais qui sont sur les rails du développement. Et donc, par rapport à la vision qu'avait Keynes, qui était une vision en fait assez centrée sur l'Europe occidentale, quelques centaines de millions, l'Europe occidentale et les États-Unis, quelques centaines de millions d'habitants à son époque,
on est passé à un problème qui est un problème dont l'échelle est celle de 7 ou 10 milliards d'habitants sur la planète et qui génère des externalités, une interaction avec les écosystèmes qui est considérable et qui fait que ce qu'on peut constater, c'est que le capitalisme est vicié dans le sens où tout seul, il ne prendra pas en compte cette question. Et s'il ne prend pas en compte, et c'est ce qu'il va, enfin, il n'est pas capable de le prendre en compte, et s'il ne le prend pas en compte, en fait, il court à sa fin, enfin, mais pas simplement à sa fin, à la fin de tout, à l'extinction. Je vous conseille une petite vidéo, We Don't Choose Extinction, qui a été publiée récemment à propos de la COP26, où on voit un dinosaure qui arrive aux Nations Unies et qui fait la leçon à tout le monde. C'est très très drôle en disant je m'y connais en extinction et je peux vous dire une chose, c'est pas une solution qu'il faut choisir. Voilà. Et cette petite vidéo n'a pas plus d'intérêt que ça, mais elle est quand même assez, assez réjouissante. Voilà. Et donc le capitalisme est confronté à ces questions-là. Mais en fait, si on se remet à l'époque de Keynes, dans les années 30, les écueils auxquels le capitalisme était confronté à l'époque étaient aussi le risque d'extinction, le risque de révolution comme en URSS, la Deuxième Guerre mondiale qui a été un choc considérable et dont Keynes a été un des canaris dans la mine très tôt, puisque très tôt il avait averti sur la montée des tensions et les conséquences du traité de Versailles sur la situation européenne. Il a aussi beaucoup milité après la Deuxième Guerre mondiale, et c'est là où il a acquis une influence considérable, sur le fait qu'il fallait construire un système économique qui ait pour mission principale d'empêcher à nouveau un conflit mondial. Et je vous renvoie à la déclaration de Philadelphie qui disait il n'y a pas de paix mondiale sans justice sociale. Et même si ce n'est pas une phrase de Keynes, elle est quand même tout à fait dans l'esprit de cette époque qu'on peut qualifier de keynésienne. Et donc, être keynésien aujourd'hui, je pense que ça veut dire ça. Ça veut dire on a le capitalisme d'un côté qui a de formidables avantages. C'est l'héritage d'Alfred Marshall. Il a de formidables avantages. Il peut être très efficace, très créatif, très innovant. Il a des vices et ces vices sont des vices fondamentaux et il faut arriver à dépasser ces vices. Et donc, si on doit tracer une utopie keynésienne aujourd'hui, cette utopie keynésienne, elle est toujours le plein emploi, une juste distribution des revenus. C'est un petit peu lié au plein emploi, mais ça ne s'y réduit pas, évidemment. Et une soutenabilité environnementale. À aucun moment, on ne doit employer le mot de croissance. Parce que dans cette histoire, il n'y a pas de croissance. La croissance n'est pas un objectif, c'est éventuellement un résultat. La décroissance sera peut-être un résultat. Mais en tout cas, à aucun moment, on doit employer le mot de croissance. Alors, ensuite, si on veut projeter cette utopie et la rendre un tout petit peu plus concrète, je dirais qu'il y a plusieurs volets et dans la régulation de ce capitalisme ou dans le fonctionnement d'une société de marché. Bon, Alfred Marshall est plus société de marché que véritablement propriété privée des moyens de production. Il est plus dans l'institution du marché comme, comme organe de régulation, enfin, comme organe de coordination dans la société. Mais si on veut projeter l'utopie, on a d'un côté l'idée qu'on doit construire une espèce de nouveau système productif, en particulier un nouveau système énergétique, dans lequel on arrête de produire de l'énergie en émettant du carbone. Donc c'est la décarbonation du système énergétique. Mais on sait aujourd'hui que la décarbonation du système énergétique n'est pas suffisante, qu'on va devoir aller au-delà de ça et entrer dans l'intimité des comportements en favorisant une forme de sobriété, que peut-être cette forme... Alors la sobriété, ça veut dire changer les comportements pour avoir des consommations moins exubérantes, en particulier lorsqu'elles sont liées à des émissions de CO2, et peut-être avec des bénéfices qui seront induits par ces changements de comportement, même si ces changements de comportement vont être une sérieuse bousculade de nos habitudes et de nos conceptions du confort. Parce que dans ces comportements, pour être très très concret, il y a le régime alimentaire avec moins de viande, beaucoup moins de viande,
Il y a le fait d'avoir une température plus basse l'hiver, le fait d'accepter une température plus élevée l'été, ou en tout cas de renoncer à la climatisation, le fait de changer nos modes de transport. Changer nos modes de transport, c'est une phrase, encore une fois, qui ne veut pas dire grand-chose, mais qui a des conséquences très concrètes. Mais ça va de changer l'endroit où on habite pour être plus près de son travail, et donc pour pouvoir aller à son travail à pied ou en vélo. Ça veut dire ne pas aller en vacances à l'autre bout de la planète. Ça veut dire un rapport au déplacement qui est de considérer que le déplacement est quelque chose de rare et de coûteux, et donc qu'il faut le limiter. C'est ce genre de sobriété vers laquelle on doit tendre. C'est autre chose que de décarboner le système énergétique, parce que c'est entrer dans l'intimité des comportements, c'est s'exposer aussi à la grande hétérogénéité des individus et au fait que ça n'a pas la même signification pour chacun, et donc que ça va avoir une interaction avec la notion de justice. Ça a aussi une interaction avec la notion de juste distribution du revenu, parce qu'il y a aussi derrière la question de mais est-ce que les gens qui sont très riches ne sont pas des gens qui, du coup, ont une espèce de folie de vouloir accumuler plus et donc, du coup, nécessairement et forcément d'émettre plus derrière ce désir d'accumulation. Donc ça peut être aussi une sobriété qui vient interroger nos motivations profondes dans la vie et qui peut donc avoir cette interaction avec les questions de redistribution. Donc c'est la construction de cette utopie qui va demander qui est un défi phénoménal. Il faut surtout pas s'arrêter à l'aspect il faut décarboner le système énergétique, et ça c'est une solution technique, et on va laisser des ingénieurs et des investissements publics s'occuper de la chose. Les grandes entreprises sont déjà prêtes à nous proposer des solutions. C'est un schéma sur lequel on peut avoir une vision assez claire. C'est un élément, il est important, mais il est loin d'être le seul, puisqu'il va se combiner avec la question des comportements. Et puis, il y a une troisième chose, et qui va aussi interagir avec la question de la juste répartition des revenus, mais qui va nous renvoyer à quelque chose qui est plutôt le solidarisme de Léon Bourgeois, qui est que même si on prend toutes les mesures aujourd'hui pour limiter le changement climatique, il va y avoir un changement climatique avec des conséquences catastrophiques. On les voit aujourd'hui, et quand on parle de limiter le changement climatique, on parle en fait de l'empirer par rapport à la situation d'aujourd'hui. Donc il y aura des conséquences au changement climatique. Ces conséquences, elles vont toucher les individus de façon différente, les pays de façon différente, et notre condition humaine, le fait qu'on soit tous sur la même planète, nous oblige à une forme de solidarisme, puisque la responsabilité de ce changement climatique, elle est collective. On ne peut pas dire aux autres, débrouillez-vous. Et ça rajoute une autre contrainte sur le pilier de répartition des revenus que Keynes avait en tête. Donc, pour conclure, s'il faut être quelque chose à partir de maintenant, c'est plutôt être super keynésien qu'autre chose. Pourquoi être super keynésien plutôt qu'autre chose? Parce que, en fait, quelles sont les alternatives à ça? Est-ce que un communisme autoritaire pourrait arriver au même résultat? Et est-ce qu'on souhaite ce genre de choses? Moi, personnellement, je pense que ce serait une dystopie épouvantable. Mais le débat est évidemment ouvert. Merci. Merci. Donc, Florence, je ne vais pas demander si tu es super keynésienne, superwoman, mais... Merci de l'invitation déjà, et je vais laisser la première question de côté pour revenir sur le qualificatif que tu m'as donné tout à l'heure, qui était, ou en tout cas la phrase que tu m'as attribuée tout à l'heure, qui était que j'avais laissé entendre un peu malicieusement qu'on était tous keynésiens, mais c'est plutôt que les médias et les politiques, à chaque crise, rappelle Keynes, qui est un Keynes de circonstance, qui n'est rappelé que dans ces moments de crise. Mais si les crises se succèdent, évidemment, la question
sera posée de savoir s'il faut continuer simplement à socialiser les pertes et à ne jamais et à toujours privatiser les gains, ou au contraire aussi à tenter de socialiser les gains, puisque le Keynes de circonstance, c'est ça, c'est une socialisation des pertes et en continuant à privatiser les gains à chaque fois qu'il y a un petit peu de croissance. J'étais presque d'accord avec tout ce qu'avait dit Xavier, sauf peut-être la conclusion. Parce que l'alternative aujourd'hui n'est pas entre un communisme autoritaire, angoissant et un keynésianisme renouvelé et qui tiendrait compte des questions écologiques authentiquement. Mais c'est plutôt quelle la ligne. Est-ce qu'un néolibéralisme débridé comme celui qu'on a aujourd'hui est compatible avec les limites de la planète? C'est celui-là qu'on a pour l'instant. Et donc l'alternative, c'est plutôt entre ce qu'on a aujourd'hui et puis autre chose qui reste à construire. Alors je vais présenter mon topo un peu différemment du couple Marshall-Keynes. Moi, je vais commencer avec Robert Solow. Parce que je vais essayer de comprendre pourquoi on est autant en addiction avec la croissance économique. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, en 2021, on est obsédé avec la question de la relance et de la croissance? Quelles sont les croyances qu'il y a derrière, au fond, puisque c'est un peu de ça dont il s'agit? Eh bien, quand Robert Solow a proposé ses modèles de croissance, combinant capital-travail et intensification du capital et du travail pour permettre la croissance, il y avait quand même la loi des rendements décroissants, hein, qui était un peu au fondement de son modèle et qui pouvait envoyer une sorte d'horizon de stagnation. La loi des rendements décroissants, s'il n'y a pas autre chose, conduit à une forme de stagnation. Et Solow appelait déjà le progrès technique à la rescousse de son modèle, en considérant que c'est le progrès technique qui permettait de dépasser la loi des rendements décroissants. Avec le progrès technique, on pourrait avoir de la croissance et éviter cet horizon qui, évidemment, était une angoisse pour lui. Mais ce progrès technique était exogène dans les premiers modèles de croissance. Exogène. Exogène, ça signifie qu'il n'était pas maîtrisé par les économistes, qu'il n'était pas maîtrisé par le système lui-même. Donc il était le fruit du hasard, d'inventeurs éclairés à un moment du temps, on dirait peut-être start-upper aujourd'hui, mais j'y reviendrai, ou bien une sorte de manne tombée du ciel. Il y a eu une petite révolution théorique très importante au début des années 80. Et cette révolution théorique, ça a été de considérer chez les économistes dominants que le progrès technique pourrait être endogène, qu'on pourrait le considérer comme étant intégré finalement au système lui-même et maîtrisable grâce à quoi ? Grâce au savoir accumulé, grâce au capital humain, à l'éducation, à l'innovation et aux diffusions des techniques. Et donc la croissance endogène, c'est vraiment aujourd'hui l'alpha et l'oméga de tous les penseurs qui sont vraiment les plus proches conseillers de nos gouvernants. Et il repose sur soit un cercle vertueux, soit une pensée circulaire qui consiste à dire plus de croissance permet plus de progrès technique, permet plus de capital humain, permet plus de croissance, etc., etc. Et donc a été inventée au début des années 80 l'idée que la croissance pourrait être illimitée. Précisément, alors avec évidemment deux garde-fous pour celles et ceux qui pensaient qu'ils pourraient être illimités. Premièrement, quand même, cet effet, je ne vais pas y revenir parce que ça a été beaucoup débattu et on en a déjà parlé des tables rondes antérieures d'autres années au GECO, mais il y a la question de l'effet ruissellement, évidemment, hein, parce que la croissance économique permettrait mécaniquement une sorte de redistribution sans avoir besoin de mettre en place des dispositifs institutionnels et humains pour le permettre, une sorte de mécanisme un peu physique, et puis une croyance et une foi dans le progrès technique, mais complètement incroyable. On est vraiment dans l'ordre de la croyance, hein, et il vous suffit d'écouter un petit peu ce que disent les tenants de la croissance endogène aujourd'hui, le nombre de fois où ils disent « je crois dans le progrès technique » pour que vous compreniez qu'on est vraiment sur l'ordre de la croyance. Et alors ce qui est intéressant, c'est que quand ça s'est fait au début des années 80, hein, en tout cas aux États-Unis, importé plus tardivement en France avec la croissance endogène, ça s'est quand même fait une petite dizaine d'années après le rapport Meadows.
précisément un rapport qui portait sur les limites de la croissance. Il y a une sorte de dissonance intellectuelle qui s'est opérée là. Une dissonance intellectuelle entre, d'un côté, des économistes qui mettent en place un système encore aujourd'hui indéboulonnable, selon lequel la croissance peut être endogène, et de l'autre, des penseurs de disciplines très diverses, en particulier dans les sciences de la nature, mais pas que, et qui insistent sur la finitude de la planète, les finitudes géophysiques de la planète d'une part, et puis les limites de la croissance. Dissonance intellectuelle qui perdure aujourd'hui, parce que les économistes dominants, considérant toujours comme vertu le ruissellement ayant une foi indéboulonnable dans le progrès technique, et continuent de penser la croissance endogène comme étant l'alpha et l'oméga de notre système. D'ailleurs, si je reprends le rapport de Meadows, 1971 ou 1970, autour des limites de la croissance, juste après eux, a été produit le rapport de Tobin et Nordhaus. Is growth obsolete? Ils s'interrogeaient, est-ce que la croissance est obsolète? Alors ça a eu quelques vertus, le rapport de Nordhaus et Tobin. Il a eu quelques vertus parce qu'il a été une sorte d'inventeur des premiers PIB verts, des premiers éléments d'indicateurs, disons, de soutenabilité économique, mais reposant précisément sur le PIB vert. Mais l'objectif de Nordhaus et Tobin était bien de contrecarrer le rapport Meadows, en considérant que, à la question « Is growth obsolete ?», la réponse était non, même si, évidemment, il pouvait montrer que la courbe de soutenabilité était un petit peu inférieure à la courbe de croissance économique, mais légèrement inférieure, parce que les PIB verts, précisément, utilisant le langage de la monnaie, hein, c'est peut-être ça aussi ce avec quoi il faudra qu'on discute un petit peu, utilisant toujours le langage de la monnaie, ne peuvent que s'engager sur une trajectoire de ce qu'on appelle la soutenabilité faible, ne peuvent, dans leurs hypothèses, que s'engager sur la question du découplage relatif et jamais absolu, alors qu'on sait aujourd'hui qu'on doit impérativement être sur la question du découplage absolu, et que le découplage absolu, sans doute, nécessitera un ralentissement assez drastique. Donc la croissance verte, hein, depuis cette période-là, hein, reste finalement assez dépendante des théories de la croissance endogène aujourd'hui. Donc on évoque les progrès techniques verts, les innovations vertes, la R&D verte, le capital humain vert. Alors le capital humain vert, vous inquiétez pas, hein, dans les licences d'économie gestion, il y a encore très 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 peu de cours sur l'économie de l'environnement. On est en train de faire ce travail avec l'Association française d'économie politique. Il y a un pouillème de cours sur l'économie de l'environnement, voire le développement durable, voire des cours sur la soutenabilité dans l'offre de formation d'économie et de gestion. En tout cas, il me semble que tous ces travaux autour de la croissance endogène et leurs avatars font vraiment l'impasse sur une réflexion sur les besoins sociaux fondamentaux, et ils font leur l'idée, et c'est peut-être ça le plus important qu'on met trop souvent de côté de mon point de vue, ils font leur l'idée que il y aurait mécaniquement un alignement entre les intérêts des producteurs des technologies et la soutenabilité. Or, il me semble que ceux qui produisent les nouvelles technologies, il n'y a aucune raison qu'ils soient nécessairement plus vertueux que n'importe quel autre acteur économique. Et c'est la raison pour laquelle il me semble qu'il faut plutôt s'engager sur une réflexion plus systémique. Il n'y a pas de solution miracle avec le progrès technique, pas plus d'ailleurs que la décroissance ne serait une solution miracle, mais il faut engager une réflexion plus systémique. Et qu'est-ce que ça veut dire engager une réflexion plus systémique? Ça veut dire réenchasser l'économie dans la nature, les logiques sociales et les institutions. Et ça, c'est la définition même de l'économie politique, précisément celle-là même qui est totalement cornérisée. Alors réenchasser l'économie dans la nature, les logiques sociales et les institutions, c'est peut-être le deuxième bémol par rapport au propos de Xavier tout à l'heure, avec lequel j'étais en accord sur sans doute 90%, c'est qu'il me semble qu'on ne peut plus réfléchir aux dégâts
en les énonçant en termes d'externalités. Les externalités sont au centre de la dynamique, elles ne sont pas des choses marginales. Et il faudrait les qualifier autrement aujourd'hui, ces questions qui ont été trop longtemps considérées comme des externalités. Et il me semble que la notion d'anthropocène ou de capitalocène permet précisément de redire à quel point les crises sont endogènes. Et encore une fois aussi, la notion de dinosaure et son analogie est toujours un peu gênante, parce que la crise d'extinction des dinosaures était issue d'un choc externe, de la même manière qu'aujourd'hui encore certains économistes considèrent que la crise sanitaire est le fruit d'un choc externe, alors même qu'on pourrait sans doute considérer que les zoonoses, si c'est de cela dont il s'agit, sont constitutives de l'organisation du système productiviste et consumériste, et que précisément il faut aussi réendogénéiser l'analyse des crises. Alors, il y aura cet après-midi une table ronde sur la planification sociale écologique, dans laquelle je dirais quatre choses. Je dirais qu'il faut très certainement investir massivement, rejoignant en cela les Keynésiens, investir très massivement dans toutes ces urgences pour transformer les systèmes productifs, investir dans le rééquipement, l'isolement des maisons, réinvestir dans les mobilités douces, réinvestir dans les énergies renouvelables, etc. De toute évidence, il faut investir massivement. Mais de toute évidence aussi, il faut avoir le courage de le dire, il faudra désinvestir massivement, comme on disait « divest now » aux États-Unis pour parler des désinvestissements d'Afrique du Sud, il faudra avoir le courage de dire qu'il faut désinvestir de tous les secteurs qui sont absolument une nuisance catastrophique aujourd'hui face aux urgences climatiques. Alors je ne suis pas politique, mais il me semble qu'arrive un moment, il faut aussi, en tant qu'économiste et en tant qu'expert, avoir le courage d'énoncer qu'il faudra aussi désinvestir massivement et accompagner ces désinvestissements, évidemment, par les politiques de formation appropriées. Et il faudra engager aussi des politiques de sobriété. Le terme est très rarement énoncé, j'étais ravie que Xavier se l'approprie. Il faut aussi avoir le courage d'évoquer la question de la sobriété. La sobriété, elle peut prendre deux allures. Soit elle n'est pas organisée et elle nous est imposée à chaque crise, comme celle de la pandémie, où nous avons connu une forme de décroissance conjoncturelle non organisée. Ou bien l'on considère qu'il faut organiser le système et donc, d'une certaine manière, renouer avec des formes modernes de la planification. Il ne s'agit pas de planifier avec un dictateur à son bord, mais bien d'envisager des formes de planification organisées d'ailleurs avec la société civile. Et puis, évidemment, tout ça nécessite la production et l'élaboration co-construite avec les citoyens d'indicateurs de richesse différents de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, bien qu'on en ait déjà beaucoup à disposition. Alors pourquoi ? Il me reste encore quelques minutes ? Deux ? Une ou deux seulement ? Bon, alors je vais aller très vite. Pourquoi ? Tu pourras revenir après. Ah d'accord. Alors pourquoi pourquoi est-ce qu'il nous faut d'autres indicateurs de richesse ? Parce qu'on est dans un système où le pilotage de l'action publique se fait par les indicateurs. On peut le regretter, mais c'est ainsi. Et donc, surtout 6 mois avant les élections, on voit à quel point l'infléchissement d'un certain nombre d'indicateurs prend une perspective médiatique tout à fait importante. Et les indicateurs, ils ont cette double face d'être à la fois des outils de la connaissance, des diagnostics, mais aussi des outils du pilotage de l'action publique. Or, en tant qu'outil de connaissance, le PIB et la croissance économique sont de moins en moins efficaces. Je vais donner un seul exemple. Vous savez peut-être pas qu'en 2015, la croissance de l'Irlande a été de 7%. Ça, c'était le chiffre estimé. Et puis le chiffre final qui a été produit a été une croissance économique de 26%. Il y a donc eu en 2015 une croissance économique en Irlande, pays pas très loin d'ici, pays qui appartient à l'Union européenne, pays qui est organisé statistiquement selon les règles de Eurostat, etc. Une croissance économique de 26%.
tout ça pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas prendre le temps de revenir aujourd'hui, mais qui sont quand même liées aux règles de la mesure de la R&D et de la R&D et du fait qu'existe qu'il y a quelques GAFAM qui sont installés en Irlande et qui rapatrient pour des questions d'optimisation une grosse partie des ressources liées à leurs brevets. Et tout cela, évidemment, a des incidences complètement contre-intuitives par rapport à la notion de richesse et à la notion, y compris, de soutenabilité. Quant au pilotage de l'action publique par la croissance économique, il faut quand même le dire, même s'il faut sans doute, et je continue de penser que la décroissance est aussi un mot magique que d'autres et qu'il ne doit pas être utilisé comme ça, il faut quand même se mettre à distance de la croissance et réfléchir autrement. Travailler autour de seuils à ne pas dépasser, comme l'a fait Rockström, par exemple, et que Kate Raworth, avec son Donuts, a essayé de compléter par des indicateurs sociaux. Articuler, en tout cas, la justice écologique et la justice sociale. Faut-il utiliser un seul indicateur, comme le suggère Éloi Laurent, avec un indicateur d'espérance de vie en bonne santé? Moi, il me semble que les choses sont quand même plus complexes que ça. En tout cas, mobiliser des indicateurs utiles et co-construits pour répondre aux urgences. Et la question qui se posera, c'est évidemment qui décide de ce qui compte. Faut-il laisser ça entre les mains des experts qui sont quand même, lorsqu'ils sont économistes, je le rappelle quand même, assez inspirés par la croissance endogène? Faut-il laisser ça à la démocratie individuelle, celle qui permet de mesurer votre satisfaction spontanée, ou faut-il mettre ça entre les mains du débat citoyen? Le miracle démocratique, comme l'a malicieusement énoncé Gaël Giraud, qu'a constitué la conférence citoyenne pour le climat, malheureusement mal rattrapée par les politiques, constitue une graine semée de ce que peut constituer une forme de démocratie qui est capable de prendre de bonnes décisions, si en tout cas on la laisse réfléchir le temps nécessaire. Merci de revenir sur ce chantier de l'IDS qui est celui de la démocratie économique, sociale et environnementale. Alors, je vais faire une petite pause avant de donner la parole à Denis, pour rappeler d'abord que vous pouvez, pour ceux qui sont à distance, poser des questions par SMS dans la suite de ce que vient de dire Florence, que justement on voudrait, à l'occasion de la relance de l'IDS, reprendre cette question des indicateurs, parce qu'elle est tout à fait essentielle. Et moi, qui le vois plutôt sous l'angle de la gestion des politiques publiques que sous l'angle de la recherche, chacun son métier, je pense que c'est un point important. Et puis je voudrais citer quelques questions qui me sont arrivées, comme ça Denis et Aurore pourront peut-être, parce qu'on aura moins de temps que prévu pour le débat, pourront peut-être y apporter des éléments de réponse dans leur exposé. Alors je leur demande un exercice un peu difficile, mais je suis sûr qu'ils y arriveront. Alors je cite un peu dans le désordre. Alors en écho à ce qu'il y a au petit débat entre Xavier et Florence, il y a quand même une question intéressante. La Chine ne serait-elle pas déjà super keynésienne? C'est un peu décalé par rapport à votre débat, mais je trouve ça intéressant. Après, quelques questions un peu au hasard. La croissance suppose de renoncer à beaucoup de confort. Comment trouver une majorité? Est-elle compatible avec la démocratie? Comment relier plein emploi et baisse d'excès de la consommation? Si les ressources de la planète sont limitées, il semble évident qu'il existe un rapport direct entre le volume de la population mondiale et le niveau de vie de chacun. Avez-vous un avis sur les idées de décroissance, croissance verte de Pierre Rabhi? Je ne sais pas si certains d'entre vous, enfin, on pourra la reprendre après. Est-il décent de parler de décroissance alors que les deux tiers des terriens vivent encore dans des conditions de grand dénuement? Déjà étudiant, je ne croyais pas au rendement décroissant. Dans l'économie du XXIe siècle, avec l'expression de biens numériques et avec des coûts marginaux proches de zéro, les rendements sont-ils vraiment décroissants? Repenser la croissance n'impliquerait-il pas de repenser l'économie? C'est un peu le sujet du débat d'aujourd'hui. Et enfin, l'impact des comportements individuels sur la durabilité de la croissance ne nécessite-t-elle pas, ça a été déjà évoqué, de revoir les priorités éducatives en tout premier lieu? Denis, je te mets ça dans ta banette, et puis pour 10 minutes à quart d'heure, avant de passer la parole à Aurore. Bon, merci d'abord de m'avoir invité. Merci en particulier, Daniel, que tu aies mentionné Philippe Frémaux, qui est à l'origine de l'IDS et grâce auquel nous sommes réunis aujourd'hui.
Merci aux deux intervenants là, sur les, pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration et je me suis enrichi une fois de plus de ce qu'ils pouvaient dire. Je voudrais prolonger un petit peu rapidement l'analyse de Florence en parlant de la croissance endogène. Un des auteurs les plus productifs sur la croissance endogène est un Français, Philippe Aguillon, qui est professeur au Collège de France et dont j'ai lu récemment un texte dans Les Échos dans lequel il critiquait le discours alarmiste sur la dette publique, socialement dangereux et économiquement erroné. Je buvais du petit lait à voir ce titre, c'était le titre. J'ai lu l'article et il y avait dans l'article qu'il fallait investir dans l'éducation, la formation, la recherche, l'innovation, la politique industrielle qui ont vocation à doper la croissance. Et alors là, mon enthousiasme pour le titre a cédé la place à une espèce de réflexion sur l'inconscience aujourd'hui de parler de doper la croissance. On est toujours de la croissance endogène et les économistes, mais pas seulement les économistes, pas seulement les gouvernements, pas seulement le MEDEF, mais également tout plein de gens, des syndicats, des associations, etc., sont partisans d'une croissance, alors on met parfois verte, vertueuse, enfin, etc., mais d'une croissance sans prendre en compte aujourd'hui ce qui est en cause et que la croissance a produit. Il y a une sorte de, je reprends le terme de Xavier, de dystopie à se boucher les yeux devant ces réalités que nous sommes en train de dévoiler, que le rapport Meadows avait en 1972 commencé à le mettre sur la place publique et les réactions des économistes à l'époque avaient été similaires à celles, je ne me rappelle plus, d'un économiste ultralibéral anglais qui disait il faut être fou pour parler aujourd'hui de limite à la croissance. Il faut être fou pour parler. Voilà. Donc je n'insiste pas, nous avons pris conscience que nous sommes face à un problème et qu'il faut que nous le résolvions. Alors je fais une petite parenthèse parce que dans cette prise de conscience un peu catastrophique d'une certaine manière, en tout cas inquiétante, et cet écart entre la prise de conscience d'une part et les raisonnements des économistes ou des gouvernants d'autre part qui visent toujours à avoir plus de croissance, il y a quelques éléments peut-être plus bénéfique en tout cas qu'il vaut. C'est vrai que, alors je vais donner deux chiffres, entre 1995 et 2021, ça c'est des estimations du Global Carbon Project, les émissions de gaz à effet de serre, ou plus exactement de carbone, de CO2, ont augmenté de 50% sur la planète. Elles sont passées de 23 milliards à 36 milliards. Donc une progression considérable en l'espace de, entre 1995 et 2019, c'est, 2021, c'est donc un quart de siècle. En un quart de siècle, nous avons progressé dans le domaine de la carbonisation de notre économie de l'ordre de 50%. Mais, alors, la chose plus intéressante, c'est en France, alors là, c'est pas le Global Carbon Project qui me donne ces chiffres, c'est je me rappelle plus comment ça s'appelle, enfin bon, peu importe, les ménages entre 1995 et 2019, cette fois-ci, ont vu leurs émissions de CO2 diminuer de 15%. Et les entreprises l'ont vu diminuer de 30%. Sauf qu'il s'agit des estimations, des rejets nationaux.
Mais si on calcule l'empreinte carbone, c'est-à-dire le contenu du CO2 inclus dans les importations, et en éliminant les exportations, là, à ce moment-là, ce côté international change tout. On a une progression de 73% des émissions de gaz à effet de serre au titre des importations. C'est-à-dire que, au fond, nous avons été plutôt vertueux, enfin, une vertu très, qu'il va falloir continuer, accélérer à être vertueux, mais nous avons été plutôt vertueux sur le plan national, mais c'est la désindustrialisation qui est en cause. C'est les besoins qui se sont modifiés, qui font que nous importons aujourd'hui beaucoup plus de choses qu'avant. J'ai été sidéré d'apprendre dans les échos, alors je vous reprends, qu'il faut... Pour produire une tonne de cuivre, une tonne de cuivre, pas la transformer, la produire, il faut émettre 3 tonnes de CO2. Et pour une tonne de nickel, il en faut 10. Pouvons-nous continuer à faire ce type de calcul ? Il y a urgence, Florence l'a bien montré, que nous changions notre modèle de société. Or, en France, ce qui me sidère, nous avons, je ne sais plus, je crois qu'on continue à l'appeler commissaire au plan, qui a été nommé il y a maintenant un an et demi par le président de la République. Je n'ai pas lu et vu paraître un seul rapport de ce commissaire au plan. Vous poseriez la question même à des gens qui connaissent bien les systèmes environnementaux, etc. Est-ce qu'il y a un commissaire au plan ? Non. Pourtant, Florence nous a indiqué que aujourd'hui, l'urgence, c'était de planifier les choses et pas simplement de donner aux différents agents une espèce de ligne de conduite en espérant qu'ils vont la suivre. Et puis, dernière chose que je voudrais souligner, c'est que, effectivement, tout à l'heure, je vous ai donné les chiffres d'émissions de gaz à effet de serre entre 1995 et 2019. Globalement, la France émettait, y compris donc ce qu'on appelle l'empreinte carbone, donc ce qui est dû à des importations, elle émettait en 1995 618 millions de tonnes de CO2, enfin de gaz à effet de serre plus exactement, ou équivalent, et elle en émet en 2019, c'est encore provisoire, 665, une progression de 8%. Greta Thunberg a raison, nous ne sommes pas à la hauteur. Les ménages et les entreprises nationales ont fait des efforts, mais c'est loin de compenser le fait de la mondialisation et de l'essor d'un certain nombre de besoins. Ce qui me sidère, enfin, et qui m'énerve profondément, c'est que dans la même émission ou journal télévisé, il y a à la fois Thomas Pesquet, qui est souvent invité, mais aussi Jeff Bezos qui vante ses fusées et qui multiplie les succès pour l'exploitation spatiale. Personne ne parle à ce moment-là de ce gaspillage énergétique absolument infâme. C'est une insulte à la face de la planète. Et dans le même journal télévisé, on trouve des petits bouts sur le fait que les Français mangent un peu moins de viande, et notamment moins de viande rouge, etc. Ils ont fait des efforts, mais ces efforts ne vont pas permettre à la planète tout entière de pouvoir redresser la barre. Surtout que, et ça a été dit dans les questions posées, les deux tiers de la planète sont très loin d'avoir le niveau de vie qui nous paraît au moins décent, je ne dis pas nécessaire, décent pour que des hommes puissent vivre. Pratiquement plus de moitié de la planète n'a pas cette capacité à avoir un niveau de vie décent. Donc il va falloir que nous fassions des efforts prodigieux pour que nos sociétés
industrialisées et mondialisées réduisent profondément leur impact carbone et leur impact sur la biodiversité. Comment faire ? J'en sais rien. Là-dessus, je vois bien la nécessité. Ce que je ne sais pas, c'est comment la mettre en œuvre. Comment permettre à des sociétés, par exemple la société française, d'accepter que la bagnole soit, que la vitesse sur les autoroutes soit réduite à 90 km/h, qui permettrait d'économiser un quart des émissions de CO2 dues aux moteurs thermiques. Comment faire pour que nous réduisions notre consommation de viande, et notamment de viande rouge, de moitié ? Comment faire pour que tout le monde ait un habitat à la fois correct, utile, enfin bénéfique, et en même temps bien isolé, faisant très peu d'émissions de gaz à effet de serre, etc., etc. Je ne sais pas. Mon principal problème, c'est que face à une macroéconomie qui continue à s'appuyer sur le produit intérieur brut et sur la croissance pour pousser soit des cris d'alarme en 2020, soit des cocoricots en 2021 avec notre ministre de l'économie, comment faire pour que cette macroéconomie qu'on nous dit en bonne santé et qui va refaire de la croissance, etc., intègre la microéconomie nécessaire pour que chacun d'entre nous fasse des efforts et que les fasse non pas de manière contrainte, mais de manière acceptée, en comprenant que c'est pour le bien commun. Comment faire en sorte que le bien commun devienne une réalité dans notre guidage de nos sociétés ? Je n'ai pas de réponse. Hélas, je sais qu'il y a des efforts individuels, personnels, qui se multiplient. Il y a des prises de conscience qui font que les gens changent de comportement, que le mode de vie évolue progressivement, mais pas suffisamment vite. Alors, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi dire, et je préfère que dans la discussion qu'il y aura après, ou peut-être dans ce que va nous dire Aurore, il y ait des pistes de réflexion pour approfondir celles que a déjà commencé à nous proposer aussi bien Xavier que Florence. Alors, avant de donner la parole à Aurore, qui est passée du côté politique de la force, donc effectivement, c'est pour ça que je voulais qu'elle intervienne en dernier, puisqu'elle est... Elle a passé d'économiste, qu'elle a toujours, mais étant députée au Parlement européen. Je voudrais remercier Denis, parce que depuis 40 ans, tu n'as pas perdu ta capacité d'énervement, je dirais même d'indignation, la même que celle que j'ai connue quand tu as créé Alternative économique. Donc merci Denis pour cette capacité d'énervement. Aurore, oui. Comment faire ? Alors comment faire ? Déjà, pour répondre à la question de comment faire, il faut peut-être comprendre pourquoi on se retrouve dans cette situation-là. Déjà, bonjour à tous et à toutes. Et merci de cette invitation. Merci au GECO de l'organisation. Merci à l'IDS. Et puis, merci aussi d'être dans le IN. Et en fait, le fait que ce débat se retrouve aujourd'hui dans le IN, soit plus dans le OFF, en fait, la réponse, elle est quasiment là. Il y a déjà un petit souci. On a mis beaucoup, beaucoup de temps à faire en sorte que ce débat arrive dans le débat public, ne serait-ce que dans le débat officiel un petit peu des GECO. Et pourquoi ? On va essayer de comprendre tout ça ensemble pour savoir après comment faire. En gros, je vais un peu caricaturer, excuse-moi Florence, parce que je sais que je vais faire quelques, pas des erreurs, mais que je vais forcer un peu le trait. En gros, quand le PIB arrive, on est dans les années 30, on est sous Roosevelt, dans un contexte bien précis. Voilà. Tout ça pour dire que déjà, PIB, PIB, croissance du PIB et capitalisme, ce n'est pas quelque chose qui va forcément de pair. Hein. C'est une des constructions sociales, ce sont des choses comme ça. Bref, Kuznets, à qui on a attribué la création du PIB, même s'il était dans les tuyaux depuis pas mal d'années, dira tout de suite, si vous voulez un indicateur de bien-être, allez voir ailleurs. Ce n'est pas son rôle. Et c'est marrant, c'est qu'on est aujourd'hui,
C'était en 33. On est aujourd'hui en train de discuter croissance verte, décroissance, bien-être, croissance. Est-ce que finalement la croissance permet le bien-être ou pas, ou est-ce qu'elle le détériore, etc. C'est quand même pas banal, je serais tentée de dire. Et en plus, à côté de ça, on a eu énormément d'apports en sciences économiques. William Capp, les années 50. William Capp, c'est un économiste institutionnel. Vous lisez William Capp, vous lisez un rapport du GIEC. Pourtant, il a pas les données. Mais il vous explique, il dit, il y a quand même un truc. On est en train de produire énormément. Qu'est-ce que toutes les molécules qu'on met dans l'atmosphère, est-ce qu'elles peuvent créer des cocktails chimiques entre elles, etc. Et il parle non pas d'externalité, qui est un mot néoclassique, mais il va parler de coûts sociaux et environnementaux. Et il dit l'entreprise privée, finalement, mutualise les coûts sociaux et environnementaux et en privatise les profits. On va avoir Veblen, on va avoir Galbraith-Spaer qui vont s'interroger là aussi sur la croissance du PIB. On va avoir des politiques, Robert Kennedy qui fera le speech le plus incroyable où il y a tout sur la croissance du PIB. Il dira comment ça se fait qu'on est complètement obsédé par cet indicateur qui comptabilise la publicité, les armes à feu, etc. et qui ne prend pas en compte finalement ce qui fait le sel de la vie et ce qui est le plus important pour nous. Lyndon Johnson après arrivera là-dessus et dira nos États-Unis, voilà, oui, c'est l'accumulation, c'est toujours plus, mais en fait, regardez nos villes, elles sont en train de devenir moches. Il y a de la publicité partout, il y a des déchets partout, etc. Donc finalement, les politiques, eux, étaient plutôt, je ne sais pas s'ils étaient en avance, mais il y avait quelque chose qui se passait. Et puis après, c'est vrai qu'on arrive dans cette contre-révolution néolibérale d'un point de vue politique, mais aussi dans cette espèce de truc un peu informe, une espèce de mélange entre néoclassique et néo-keynésien qui donnera ce qu'on appelle le mainstream, la pensée dominante en économie, et où finalement la croissance économique est un impensé, moi je trouve. C'est ça qui est le plus frappant dans la théorie économique. C'est qu'on parle toujours de la croissance, mais finalement, est-ce qu'on est en capacité de dire que un point de croissance s'est chargé de tant points d'énergie fossile, etc. Je nous trouve au sein de la science économique, la dite science économique, pendant des années relativement pauvres. Et finalement, le résidu de Solow et le fait qu'on a glorifié le résidu de Solow, qui est quand même, en gros, il y a toute une partie de la croissance, là aussi je la fais vite, mais il y a toute une partie de la croissance qui ne s'explique pas par le travail et par le capital. Et ça s'appelle le résidu de Solow. Et que des fois, ça correspond à 70% finalement de la croissance. Et qu'on a glorifié ça en sciences économiques en disant « Waouh, quelle percée !» Enfin, franchement, glorifier un impensé en percée, moi je trouve ça un peu étonnant. Et derrière arrive ce qu'on a appelé la soutenabilité faible, c'est-à-dire apportée par à la fois Solow, Stiglitz, Hartwig, où on nous dit en gros « Tous les capitaux sont substituables ». C'est ça, elle est fondée quand même là-dessus, hein, la pensée mainstream. Les capitaux sont substituables. En gros, vous avez travail, capital et un espèce de truc qui s'appelle environnement, qu'on va appeler capital naturel, et ils sont substituables entre eux. Vous n'avez plus d'abeilles, vous avez de la main-d'œuvre pour pouvoir faire la pollinisation. Vous avez des robots pollinisateurs, etc., etc. Mine de rien, ça, c'est hyper structurant dans la pensée qu'on a pu avoir. On s'en rend moins compte aujourd'hui parce qu'on a énormément évolué sur les questions environnementales. Mais c'est quand même assez structurant. De même qu'on parlait des externalités. Voilà, quand il y a un problème environnemental, c'est une externalité. C'est parce qu'en fait, c'est pas géré par le marché. Internaliser l'externalité, mettre des droits de propriété, un signal prix, comme ça, l'agent économique sera plus aveugle. Parce que c'est ça, en fait, hein, c'est qu'il n'y avait pas de propriété privée, il n'y avait pas de prix. Donc forcément, l'agent économique est aveugle. S'il y avait un prix, il gérait correctement les ressources naturelles. Ça paraît tellement évident. Moi, j'aimerais quand même qu'on voit ce que ferait quelqu'un s'il avait le dernier saumon et s'il ne le vendrait pas. Je ne pense pas que la question du prix soit un bon signal dans ces cas-là. Mais le fait de se dire qu'il faut internaliser les externalités, ça montre aussi qu'en fait, c'est un refus d'accepter justement les limites de la biosphère. Et c'est une partie de la science économique qui dit non, il n'y a pas, on refuse les limites, on l'internalise, on la met dans le système économique, alors qu'en fait, il faut juste faire le switch inverse qui me semble être pas si compliqué que ça à faire. Tout ça pour dire qu'il y a quand même je ne suis pas pour les procès politiques, ce n'est pas tout à fait mon genre, mais il y a quand même un peu de remise en cause à faire côté sciences économiques, notamment mainstream, parce qu'à chaque fois qu'on a des...
Enfin, il y a certains types de progrès ou certains types d'avancées ou certaines choses qui sont quand même frappées du coin du bon sens, sur lesquelles ils sont, cette partie de la science économique peut être vent debout. Et je tiens à saluer notamment Florence Janicatrice, mais je pourrais penser aussi à Dominique Méda, Jean Gadret et bien d'autres qui, pendant des années, ont tenu bon sur la question des indicateurs de richesse et de la croissance. Et ce n'était pas simple. Parce que quand vous avez en face de vous toute une partie de la science économique qui a cette capacité de vous dénigrer quand vous tenez un discours de raison, mais qui est différent, c'est vraiment pas évident. Et je trouve que là-dessus, il y a une remise en cause profonde à faire, pas que sur ce sujet-là d'ailleurs, sur plein d'autres sujets. Donc ça n'a pas aidé. Ce côté mainstream nous a pas aidé pour pouvoir avoir une réflexion. Ne serait-ce qu'une réflexion, en fait, d'avoir le droit de réfléchir sur la question de la croissance économique. Premier point. Deuxième point, là où c'est pas simple non plus pour nous séparer de la croissance du PIB, et c'est pour ça qu'on a cette tendance à se dire on va mettre vert à côté de croissance, puis c'est bon, ça va aller, on va s'en sortir comme ça, c'est parce que la croissance du PIB, c'est aussi lié aux 30 Glorieuses. Hein. Et ça, je crois qu'il faut pas l'oublier. C'est aussi lié à un moment où on a l'émergence d'une classe moyenne, la reconstruction de l'après-guerre, le fait que certaines personnes ont eu accès à l'eau courante et c'était pas gagné d'avance, etc., etc. Il y a un aspect profondément sentimental aussi vis-à-vis de la croissance du PIB. Et puis, il y a ce côté sérieux. Hein, pour être quand on est élu, quand on est politique, il faut parler de la dette, des déficits publics et de la croissance du PIB. C'est ça qui fait sérieux, même si la plupart ne connaissent pas d'ailleurs la définition du PIB ni de sa croissance, à mon sens. L'autre point, c'est que le PIB, ça reste un élément très important dans les négociations syndicales, par exemple. C'est extrêmement important, donc c'est au cœur de la démocratie en ça, mais aussi dans les débats à l'Assemblée nationale. Tout ce qui va être loi de finances, etc., c'est construit autour de cet indicateur. Et c'est ce qui fait aussi qu'on ne peut pas non plus le balayer comme ça du jour au lendemain. Une fois qu'on a dit ça, il faut avoir en tête quand même que la croissance, comme l'a dit Denis, la croissance du PIB est parfaitement corrélée aux émissions de gaz à effet de serre. Il n'y a pas de sujet là-dessus. On peut avoir des fois un peu de découplage relatif, c'est-à-dire qu'on va croître, mais de manière de moins en moins polluante. Mais on n'aura jamais de découplage absolu, une séparation totale entre croissance économique et émission de gaz à effet de serre. Par ailleurs, on note aussi qu'à partir des années 70, dans à peu près tous les pays dits développés, qu'il y a un décrochage entre la croissance du PIB et le bien-être. C'est-à-dire qu'en premier, les courbes se suivent. On voit que la croissance du PIB alimente le bien-être et au bout d'un moment, c'est plus le cas. C'est plus le cas parce que, comme le dit Jean Gadret, le bien-être, la qualité de vie dépend d'autres choses au bout d'un certain temps. Et par ailleurs, je ne vais pas vous rappeler toutes les limites et les conséquences négatives du PIB sur la santé, sur l'environnement, etc., etc. Une fois qu'on a dit ça, il est donc nécessaire, et je suis d'accord avec Florence, de changer d'indicateur. Ça ne veut pas dire se débarrasser du PIB, ça veut dire juste le remettre à sa bonne place. En fait, il n'y a pas, à mon sens, besoin totalement de s'en séparer. Il faut juste qu'on se dise quelle est l'urgence en ce moment, exactement comme l'a fait Roosevelt, ou comme on l'a fait quand on a mis le PIB en place en 1944 en France, avec de la planification d'ailleurs, puisque c'est dans le premier plan de planification en France qu'arrive le PIB. Il suffit de se dire quel est notre objectif, en fait. Si notre objectif, c'est la transition écologique et sociale, on a besoin d'indicateurs physiques. On a besoin d'indicateurs sociaux. Alors, il y a les indicateurs qu'a développé Florence, parce qu'elle ne vous en a pas parlé, mais elle en a commis. Elle est trop modeste pour le dire. Il y a tout ce qui va être indicateur de santé sociale, etc. Et il y a effectivement le donut, je trouve, de Kate Raworth, qui est intéressant parce qu'il a cet effet performatif. Parce que ça aussi, on n'en parle pas forcément, mais le PIB, ça a un effet performatif. Ça va impacter nos imaginaires. Et
encore aujourd'hui, quand on vous dit que après avoir parlé de la COP 26, et oh là là, c'est dommage, les pays se mettent pas bien d'accord entre eux, c'est inquiétant, tout ça. Bonne nouvelle, la croissance repart. Typique. Ça fait 10-20 ans que ça dure de toute façon ça. À chaque fois, on a une page environnementale et enfin une bonne nouvelle, la croissance, la croissance repart. Et mine de rien, on a tous été biberonnés aussi par ça. Et on voit qu'en un chiffre, un indicateur nous dit ça va aller sur le plan de l'emploi, ça va peut-être aller sur le plan des inégalités, etc. Même si ce n'est pas forcément vrai d'ailleurs, on a quand même cette sensation. Et en revanche, si on est en récession ou ce genre de choses, on va se dire oui, aïe, aïe, c'est mal barré et on va avoir des perspectives négatives sur l'avenir. Le PIB a donc cet effet-là sur nous. Et là, le défi qu'on doit avoir, c'est de se dire que l'environnement, il n'a pas besoin d'un seul indicateur. Ça va être un peu plus complexe que ça. La société en a besoin de plusieurs aussi. Sauf que mettez-vous face une batterie d'indicateurs tous les matins sur votre radio préférée. Franchement, c'est, même quand on est hyper motivé, ça ne parle pas forcément. Et c'est pour ça que je trouve que le donut de Kate Raworth est un espèce de tour de force. Parce qu'on a les limites de la biosphère et on a un plafond environnemental et un plancher social définis démocratiquement. Et j'insiste là-dessus parce qu'effectivement, le choix des indicateurs ne doit pas être un choix que de technocrates et d'experts. C'est vraiment un choix démocratique, un choix de société du fait justement de cet effet performatif, mais aussi parce qu'il va guider les politiques publiques et parce qu'il correspond en fait à des choix de société. Et c'est là où je vais essayer, vous savez, au Parlement européen, on est obligé de faire du compromis parce que le groupe dans lequel je siège, les sociaux-démocrates et les Verts qui sont nos alliés, on n'est pas majoritaire. Donc on doit faire du compromis, voilà, contrairement pour faire passer des textes, on doit négocier en permanence. Et donc là, je vais essayer de faire des compromis entre vous trois, ce que vous avez dit, et notamment sur Keynes. Je trouve que ce qui était le plus marquant chez Keynes, c'est pas forcément sa théorie générale, c'est plus les conséquences économiques de la paix, je trouve. Et c'est aussi le fait que c'était quelqu'un qui était tout le temps en capacité de se remettre en cause. Et qu'il ne mettait pas l'idéologie dans les moyens, mais dans les finalités. Et c'est ça le problème d'ailleurs sur le débat entre croissance verte et décroissance. Parce que les deux sont des mots magiques et les deux parlent de moyens. Là, on a besoin de parler de finalités. Et nous bloquent avec un débat binaire où voilà, on met de l'idéologie dans les moyens et pas dans les finalités. Et Keynes avait cette capacité de tout le temps se remettre en cause. Le Keynes élève de Marshall et le Keynes qui va travailler sur les accords de Bretton Woods, c'est pas les mêmes. À chaque fois, il évolue. Il a évolué sur sa vision de la monnaie, sur sa vision du taux de change, en fonction des circonstances et des circonstances politiques. Parce que son objectif ultime, c'était la paix. C'était la paix. Et une fois qu'il avait cet objectif politique ultime, il déroulait le reste. La paix, c'est mon objectif. Pour avoir la paix, je suis persuadée qu'il faut de la prospérité partagée. Pour pouvoir avoir de la prospérité partagée, je suis persuadée qu'il faut mettre tel ou tel type de système monétaire et financier internationaux, pas de mobilité des capitaux, etc. etc. Voilà comment penser Kent. Et je trouve que c'est, à mon sens, vers ça en fait, qu'il faudrait être en capacité de revenir, c'est-à-dire remettre du politique là où il faut en mettre, au sens noble du terme, et remettre de la technique là où il faudrait en remettre. Et je finirai sur deux phrases, parce que je suis peut-être trop longue, et surtout, il y a besoin qu'il y ait des questions-réponses. Deux phrases, la première de Keynes, la deuxième de Philippe Frémaux. La première de Keynes, qui est souvent citée par Jean Gadret, est de dire les politiques... Alors, c'est pas très, très bien comme exemple, à un moment où on parle de transition écologique, mais on va essayer de penser à une voiture partagée électrique. Les politiques au volant de la voiture, les économistes à l'arrière... Ça, il faut vraiment qu'on retrouve ça. Et ensuite, un deuxième point, un écueil sur lequel il faudrait faire attention, il ne faudrait pas trop aller, sur les indicateurs. Il y a souvent aussi des indicateurs de bonheur, etc. etc. Et Philippe disait toujours, le bonheur est une chose trop sérieuse pour être laissée aux mains des économistes, et je vous laisserai là-dessus. Merci. Aurore, et merci de citer Philippe, je crois qu'on est tous très touchés par ça. Alors, il nous reste 15 minutes, et j'ai beaucoup de questions qui sont parvenues, mais je crois que ça serait bien aussi de donner la parole. Alors,
pour quelques questions ou interventions brèves à la salle, s'il y en a, il y a une question au premier rang, et puis là-bas, je vous demande d'être le plus bref et concis possible pour que... J'ai envoyé une question sur les causes, de les moyens de la sobriété. Vous n'avez pas nommé une chose qui est, à mon avis, hyper importante, c'est le conditionnement qu'on est fait sur la mode, et notamment les jeunes. La mode, je suis désolée, mais ça vient du bout du monde, il y a des dépenses énergétiques, des dépenses de matières premières, et surtout du bourrage de crâne sur toujours plus, toujours nouveau, toujours plus. Et ça, il faut en parler, parce que c'est vraiment très important, surtout dans un lieu où il y a beaucoup de jeunes. Merci. D'ailleurs, il y a plusieurs questions, celle sur la mode, c'est vous, mais sur la notion d'envie par rapport aux besoins. Je crois qu'il y avait une main qui s'est levée là-bas au milieu, voilà. Et puis, je vois pas... Non ? Et puis devant. Et après, je reprendrai une des questions qui est arrivée par oui, merci. SMS. D'après ce que j'ai cru comprendre, vous êtes peut-être assez sceptique, mais est-ce que vous pensez que mettre en place un prix du carbone ne serait une solution ? Et est-ce que ce serait la solution ? Merci. Effectivement, on a peu parlé, mais je crois que c'est... Et puis une dernière, pour la route. Madame, pardon, devant, s'il vous plaît. Et puis alors, pendant que le micro arrive, j'avais une question que je crois qu'il faut absolument répercuter. C'est une question d'explicitation. C'est quoi le découplage absolu dont parle Florence Janicatrice ? Voilà. Monsieur. Oui, moi je trouve ça extraordinaire, hein, tout ce qui se dit là, ici, bien sûr. J'aurais trouvé plus extraordinaire encore qu'il y ait un économiste africain à cette table ronde. Je pense que le vrai pas, il sera franchi à cette occasion-là. Hein. C'est moi qui ai posé la question tout à l'heure sur les deux tiers de l'humanité qui vit pendant les conditions décentes. Voilà, c'est un pas à franchir. C'est une bonne suggestion. Alors, il nous reste un peu moins de 10 minutes. Enfin, 10 minutes. Je vous propose de faire un tour. Alors, on va garder le même ordre que tout à l'heure. Je crois que c'est le plus simple. Et en reprenant des réponses à ces questions. Alors, j'ai pas le temps de tout reprendre, celles qui sont arrivées, et elles recoupent beaucoup de choses qui ont été dites. Donc, je les prendrai peut-être dans ma conclusion rapide. Donc, Xavier. Merci. Il y a plein de choses à dire, et je pense qu'on pourrait continuer ce débat, et ça pourrait être très intéressant pendant de longs moments. Je pense qu'il faudra qu'on le poursuive. Voilà, il faudra le poursuivre. Il y a des tas de choses à creuser et à expliciter. Je pense que Il y a quand même aussi un moment où il faut un peu rentrer dans le dur de, effectivement, comment on fait pour produire ce découplage absolu. Florence va vous dire un mot sur le découplage absolu, probablement, mais c'est précisément ça qu'on vise. Découplage absolu, ça veut dire on maintient une activité économique, une consommation, un niveau de confort, et on n'émet plus du tout de CO2. Donc c'est précisément ça, le découplage absolu. Et comment on fait pour rentrer dans ça ? Alors, la sobriété est une des dimensions. Comment on fait pour faire la sobriété ? C'est une bonne question, parce qu'on ne sait pas très bien. Et effectivement, on a construit nos sociétés complètement sur l'opposé. C'est-à-dire qu'on a plutôt glorifié la non-sobriété. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose dans l'éducation, quelque chose dans la pression sociale à établir. La pression sociale, c'est de dire « t'as encore changé de manteau Mais pourquoi tu changes de manteau ? C'est un peu ce que vous exprimez en disant ça vient du bout du monde, etc. Oui, la pression sociale. On peut mettre en place des régulations. Alors, les régulations, c'est compliqué, hein, parce que les gens sont quand même très rétifs quand on leur dit « tu n'as pas le droit de faire ça ». On peut mettre en place un prix du carbone. Alors, ce n'est pas un sujet très populaire, mais je vais quand même le dire. D'abord, il y a un prix du carbone. Il y a un marché du carbone en Europe, et le prix de la tonne de CO2, il est aujourd'hui à plus de 60 euros la tonne. C'est extrêmement important, et si on n'avait pas à 60 euros la tonne de CO2, la consommation de charbon qui a tendance à reprendre pour la production d'électricité serait encore plus importante. Donc non seulement on a un prix du CO2, mais encore heureusement qu'on a un prix du CO2, parce que si on n'avait pas ce prix du CO2, ça serait bien pire que ce qu'on a. Et dans les mesures concrètes qu'on peut prendre, compte tenu du fait qu'on a un marché carbone et qu'on a déjà un prix du CO2, c'est que, en fait, augmenter ce prix du CO2,
ben, réduit nos émissions. C'est quelque chose qui marche, qui est efficace, qui a un certain nombre d'inconvénients. Mais voilà, et ce n'est pas une solution sur laquelle on peut dire non, n'en parlons plus parce que les gens ne sont pas d'accord. Ben, si on commence à dire on n'en parle plus parce que les gens ne sont pas d'accord, on ne va jamais faire la transition. Il y a un moment où... Voilà. Alors, quel est le problème qu'il faut ensuite résoudre? Ben, les questions auxquelles il faut répondre, c'est est-ce qu'il faut étendre ce prix du carbone à tout? Ça, c'est une bonne question parce qu'aujourd'hui, il est concentré sur les gros émetteurs. Alors, vous, en tant que consommateur, vous le payez quand vous achetez de l'électricité. Il y a du prix du carbone dedans. Mais est-ce qu'il faut mettre ce prix du carbone aussi sur l'essence? En fait, ce n'est pas si évident que ça. Il y a déjà beaucoup de taxes sur l'essence. Et puis, l'essence, c'est une petite partie des choses. Et puis, l'essence, c'est peut-être traité par d'autres formes de politique, comme par exemple les zones à faible émission et l'interdiction des voitures fossiles dans les centres-villes, la fin de la commercialisation des voitures fossiles en 2000... Bon, rêvons un peu en 2030... c'est un peu plus compliqué que ça, enfin, dans les négociations européennes. Mais bon, rêvons un peu 2030. Ça fait que ben, peut-être qu'on n'a pas besoin de mettre un prix du carbone sur l'essence, puisqu'on a déjà un certain nombre de politiques qui vont arriver à un certain nombre d'objectifs. Voilà, et que peut-être, du coup, il faut renforcer le prix du carbone, mais en l'aménageant sur un certain nombre de dimensions. Après, même si on fait ça, il va y avoir des problèmes de justice. C'est-à-dire que si on augmente le prix de l'électricité par un prix du carbone plus élevé, ben, tous ceux qui sont en précarité énergétique vont se retrouver en super précarité énergétique. Et donc, il faut traiter cette question. On ne peut pas, dans nos sociétés développées, dire qu'on ne sait pas traiter les questions de redistribution. On a des tas d'instruments. Il faut les adapter à ces situations-là. Ça a un coût, mais si c'est le coût pour faire la transition, il faut juste la rajouter dans la facture et être conscient que cette facture, il faudra la payer parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Merci. Florence, pas oui. Plus de 2 minutes. Hein. Bah, tu m'arrêteras. Hein. Alors, ça, je voudrais répondre aux 3 questions sur lesquelles je me suis sentie interpellée. La première, concernant les effets de mode, j'ai évoqué, mais beaucoup trop rapidement, le terme de consumérisme. Et il me semble que le consumérisme, précisément, c'est passé d'une société où on essaie de répondre à des besoins fondamentaux à une société où on répond à tous les désirs. Et les désirs, ils sont évidemment provoqués. Ils sont provoqués, ils sont construits socialement, en particulier par le système publicitaire. Donc, on pourrait considérer, mais c'est un choix politique de le faire, que parmi les secteurs dans lesquels il faudrait désinvestir, puisque j'ai dit qu'il fallait avoir le courage de le faire, se situerait tout le secteur de la publicité, évidemment, parce qu'il y a une très grande indécence à continuer à être sur une sorte de fuite en avant autour de ces questions. Deuxième question, le prix du carbone comme la solution. Alors, j'ai essayé de dire, mais là aussi, sans doute trop rapidement pour ma part, que je ne pense pas à une solution magique. Je pense qu'il faut raisonner en termes systémiques. Et donc, sans doute que le prix du carbone qui existe déjà devra être augmenté très largement pour essayer de modifier les comportements. Mais la modification des comportements ne pourra pas se faire si, en parallèle de ça, par exemple, en ce qui concerne les mobilités, il n'y a pas des investissements absolument massifs dans les transports en commun, d'une part, et dans les mobilités douces, d'autre part, de telle sorte que, un, il y ait, une sorte de décarbonation des mobilités d'une part et la justice sociale de l'autre. Parce qu'évidemment, comme on le sait, une partie de la crise sociale que nous avons connue avant la crise sanitaire et avant elle, c'était la crise financière. Enfin bref, nous sommes toujours en crise. Mais la crise sociale de 2018 et 2019, c'est bien une crise aussi d'un manque d'alternatives pour toutes ces personnes qui se voyaient prises le couteau à la gorge vis-à-vis d'une augmentation des prix, non pas du carbone, mais de l'essence, mais il y a des analogies à faire. Et donc, il faut penser justice sociale et imaginer quelque chose de plus systémique que simplement penser réductionnisme et signal prix qui a aussi ses limites. Et puis, le troisième point qui pour moi, la question, enfin, une question vraiment essentielle, c'est cette interpellation. Est-ce qu'il n'y a pas d'indécence à évoquer ces questions lorsqu'on voit que les 2/3 de la planète sont un petit peu en dehors des clous? Alors, déjà, on a eu
beaucoup de croissance et on a toujours laissé deux tiers de la planète en dehors des clous. Donc la croissance ne règle pas tout toute seule non plus. Ça, c'est le premier point. Mais deuxième point, il me semble quand même que c'est l'une des raisons du débat entre le terme d'anthropocène et de capitalocène. L'anthropocène, c'est cette idée selon laquelle nous serions dans une nouvelle ère géologique marquée par une empreinte de l'homme sur ce système géologique, c'est-à-dire on le voit, hein, on voit cette empreinte de l'homme. Mais c'est pas tout homme, c'est pas tous les hommes. C'est-à-dire qu'il y a la question de la responsabilité qui se pose derrière. Et si on met en avant plutôt la question du capitalocène, c'est l'idée que c'est plutôt le capital et donc le capitalisme qui a marqué de son empreinte le système géologique. Et si on accepte cette idée que c'est plutôt le capital et non pas tous les hommes ou n'importe quel homme, eh bien, d'une part, on se dit que les capitalistes et ceux qui sont propriétaires du capital ont une responsabilité particulière au sein du système mondial dans cette empreinte géophysique, premièrement, et deuxièmement, qu'il y a un certain nombre de pays qui ont un crédit écologique tandis que d'autres ont une dette écologique. Et que là, pour le coup, il y a un renversement de la narration entre dette et crédit, puisque ce sont les pays les plus pauvres qui sont très créditeurs, tandis que nous sommes totalement débiteurs à leur encontre. Il suffit de regarder les résultats de l'empreinte écologique qui montre à quel point nous sommes totalement débiteurs, tandis que la plupart des pays, en tout cas africains et d'Amérique du Sud, sont plutôt créditeurs. Donc la question de la responsabilité se pose. Et puis tout dernier point sur le découplage absolu, non ? Ou tant pis, je le laisse. Rapide. Sur le découplage absolu, enfin le découplage relatif, c'est l'idée que il peut y avoir que l'important, c'est qu'il y ait une croissance des émissions de gaz à effet de serre qui soit inférieure à la croissance économique. C'est ça le découplage relatif. C'est qu'il y a un ralentissement des émissions de gaz à effet de serre par rapport à la croissance économique. Tandis que le découplage absolu, c'est il faut une réduction nette des émissions de gaz à effet de serre. Donc dans un cas, on voit qu'il y a une intensification, enfin une plus grande efficacité énergétique. Dans l'autre cas, on dit, peu importe la croissance économique, ce qu'il faut, c'est une réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre. Et tout ce qu'on a à disposition comme documentation montre qu'on ne peut pas avoir de réduction nette des émissions de gaz à effet de serre avec de la croissance économique. Denis, on joue les arrêts de jeu là, mais je pense que les organisateurs nous laisseront les jouer jusqu'à... Oui, je vais aborder deux petits points qui n'ont pas été mentionnés dans tes trois, parce que les deux intervenants précédents, Xavier comme Florence, ont déjà répondu assez largement aux trois questions que tu posais. La première chose, c'est la question de la sobriété. Qui me paraît, au moins dans les pays dits développés ou riches, être un point essentiel, réduire la consommation par des usages plus moins dispendieux, par une durée de vie plus grande pour les objets, etc. C'est des choses absolument nécessaires. Sauf que il y a deux types de sobriété. La sobriété voulue par les personnes, les ménages, les entreprises éventuellement, etc. Et ça, elle est acceptée et les gens en tirent un profit personnel, non pas en termes financiers, mais en termes d'image d'eux. Et c'est important, j'ai fait du bien à la planète. Et puis il y a la sobriété imposée, contrainte. Eh bien, elle s'appelle la pauvreté, parce que ça m'interdit à moi d'avoir quelque chose que je désire. Et du coup, c'est le phénomène gilet jaune qui se répète, et pas simplement chez les gilets jaunes, c'est-à-dire plutôt dans le bas de l'échelle des revenus, mais également dans le haut. Par exemple, dire qu'on va multiplier par deux le prix des bijoux,
et notamment des diamants, c'est le cas qui se passe, eh bien, il y a des gens qui vont rouspéter pour ça parce qu'ils n'auront plus les moyens de se payer les beaux diamants ou d'offrir les beaux diamants qu'ils voulaient à la personne aimée. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose que je voulais souligner. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on prenne conscience du fait que des choses que nous croyons dématérialisées sont en réalité consommateurs d'énergie et dispensateurs de gaz à effet de serre. Je prends ça dans le livre de Philippe Biwix, qui est paru aux éditions du Seuil, je ne me rappelle plus son titre, peu importe. Je cite, « Le numérique mobilise toute une infrastructure, des serveurs, des bornes Wi-Fi, des antennes relais, des routeurs, des câbles terrestres et sous-marins, des satellites, des centres de données. » Il faut d'abord extraire les métaux, argent, lithium, cobalt, étain, indium, tantal, or, palladium, engendrant des destructions de sites naturels, consommation d'eau, d'énergie et de produits chimiques nocifs, rejet de soufre ou de métaux lourds. Et comme ça, j'arrête la citation parce qu'il y en a plus d'une page et ça laisse le lecteur complètement pantois. Moi, j'avais des soupçons, mais je découvre là que quelque chose qui est réputé être bénéfique pour le climat, c'est-à-dire on va faire du travail à domicile plutôt que, enfin, du télétravail plutôt que des déplacements en voiture pour rejoindre son lieu de travail, etc. C'était ça que j'avais dans la tête. Et puis, je m'aperçois que, une fois encore, l'innovation est génératrice de plus, parfois bénéfique, mais parfois aussi maléfique. Donc, il faut faire attention à tout ça. Et je ne sais pas comment faire pour arriver à ancrer cela dans nos têtes, car nous sommes les responsables, nous, les pays riches, de ce qui se passe. C'est pour ça qu'on le fait un peu ce matin. Le numérique n'est pas dans les nuages. Effectivement, on l'a tous rêvé, mais c'est pas vrai. Aurore, alors, avant de te donner la parole, il y a une question qui est venue à plusieurs reprises par SMS. C'est quoi le donut ? Alors, voilà. le donut, ça a été donc formalisé par Kate Raworth. C'est une forme de donut. Voilà, ça prend les 9 limites planétaires qui ont été définies par... J'ai un trou. Oh, c'est Rockström, hein ? Voilà. Et ensuite, il y a un plancher social en dessous duquel on ne descend pas. L'éducation, la santé, les revenus, etc., etc. Ça, on peut le choisir, hein, parce que les indicateurs, c'est des choix, c'est aussi de la technicité, ça se travaille. Voilà. Et en gros, ça nous dit, pour vivre bien, il faut être dans ce donut, en fait. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que être entre ce plafond et ce plancher, et là, on pourra vivre correctement, parce que c'est bien de ça dont on parle, en fait. Hein. C'est de pouvoir continuer à vivre correctement. Je rebondis maintenant sur ce qui a été dit. Ce dont vous parlez sur la question de la mode, c'est la fast fashion, effectivement. C'est le fait qu'avant, on avait des collections qui duraient beaucoup plus longtemps, et maintenant, elles sont renouveler en permanence. Et il y a la question, effectivement, de la régulation de la publicité qui se fait. Il y a des pays qui ont interdit la publicité, par exemple, pour les enfants. Je pense aux pays nordiques, Suède, etc. Je trouve que c'est une très bonne idée et qu'il faudrait le faire. Sur la question... maintenant, je vais essayer de répondre un peu à tout. Sur la question plein emploi qui a été posée tout à l'heure, sur la question prix carbone, etc. C'est une bonne idée, mais vite. En fait, très vite, tu vas voir. On va y arriver. La difficulté, c'est qu'on est dans un moment où il est difficile d'avoir de la nuance dans le débat politique et dans le débat public. Voilà, parce que la nuance est vue comme quelque chose de mou, de social traite, etc. Voilà, c'est ça. On a du mal à avoir de la nuance. Or là, il va nous falloir faire à la fois montre de cohérence sur la transition écologique, parce que la transition écologique ne supporte pas l'incohérence pour pouvoir aller dans la bonne direction, et en même temps de faire des spécificités au cas par cas, parce que chaque situation, pour chaque secteur professionnel, pour chaque branche, pour chaque entreprise, pour les citoyens, vont être différentes. Il va falloir réussir à faire tout ça. Il va falloir aussi dire que ça ne va pas être simple, parce qu'on est quand même devant une inconnue, et qu'en même temps, regardons nos forces. On a un État-providence, on est sur le continent européen, l'un des plus riches du monde. On a de la main-d'œuvre formée. On a plein de richesses. On a des infrastructures, de l'éducation, de la santé. Certes, il y a beaucoup d'investissements pour remettre tout ça en ordre, mais quand même, on part avec des forces. Donc oui, ça va être pas simple. Il va falloir accepter aussi l'idée d'expérimenter.
tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qu'on a perdu en politique aussi, de dire, bon, on va essayer, peut-être qu'on va se planter. Et il va falloir reconnaître aussi que des fois, on se plante. Ça aussi, en politique, on a du mal à le faire, pas que d'ailleurs, en économie aussi. Mais il va falloir dire, voilà, on va essayer de faire ça, peut-être qu'on va se planter, mais il va falloir montrer la possibilité des choix. Sur la question maintenant du plein emploi et de la sobriété, ce dont on a besoin, c'est un, des indicateurs pour guider correctement nos politiques économiques, ça c'est le semestre européen au niveau européen. Deux, investir, désinvestir. Le rôle de la Banque Centrale Européenne est déterminant dans le sujet. Et le rôle, en règle générale, du fait de conditionner les aides, de conditionner les politiques monétaires, etc., c'est essentiel. Depuis 2015, accord de Paris, les banques françaises ont augmenté leurs prêts aux énergies fossiles de 32%. Depuis l'accord de Paris. Voilà, pour vous donner un ordre de grandeur. Là-dessus, il y a énormément de choses à faire. Banque, finance, on sait réglementer tout ça. Et si on mettait des critères de refinancement vers le vert sur la Banque Centrale Européenne, ce serait une force de frappe absolument incroyable. Absolument incroyable. Ensuite, on a besoin d'un Green New Deal. On a besoin d'investir dans la sobriété. Là, on peut créer des emplois. On peut réduire la consommation. Parce que c'est ça dont on a besoin, réduire la consommation. 97% du bâti au niveau européen est à isoler. Et ensuite, de la garantie de l'emploi. C'est ce qu'avait fait Roosevelt. C'est comme ça que sont nés les parcs américains aux États-Unis, les parcs naturels américains. Il avait dit, en gros, vous avez moins de 30 ans, vous êtes un homme, vous avez le droit à un job. Parce qu'en fait, il avait peur qu'il tombe dans la délinquance, parce que pas d'État-providence à l'époque. Hein. Donc c'était un peu le service militaire, en vrai, ce truc-là. L'idée, c'est pas de faire ça, évidemment, pas un service militaire, mais de se dire que dans le domaine de la biodiversité, qui est pas pris en compte par le marché, qui n'est pas pris en compte par l'État correctement, on pourrait faire une garantie de l'emploi verte au niveau européen pour pouvoir restaurer, réparer, etc. Et c'est ce avec quoi on discute en ce moment à la Commission européenne. Et je finis là-dessus, c'est promis. Aussi de la réforme fiscale, c'est-à-dire qu'un prix carbone, oui, nous faut un prix au carbone. Le problème, c'est qu'on fait de cette mesure l'alpha et l'oméga de tout. Sauf qu'on piège les gens, déjà, parce que si vous mettez un prix élevé au carbone, il faut offrir des alternatives. Et en plus, on fait croire que si on met un prix au carbone, c'est bon, on est bon. Non, on n'est pas bon. Il faut de l'éducation, il faut de la régulation, comme vient de le dire, il faut de l'investissement. Donc voilà, en fait, il va nous falloir un panel de solutions, accepter qu'il va falloir être cohérent et accepter que les choses seront à la fois plus dures qu'on le croit et à la fois plus simples. Et surtout qu'il va falloir aussi penser à la question de l'emploi et de la transition professionnelle, sachant qu'il ne faut pas non plus mentir là-dessus. Il y a des emplois qui vont être détruits et il y a certaines transitions professionnelles qu'on n'arrivera pas à faire. Et ça, il faut aussi être en capacité à un moment de le dire, parce que les macroéconomistes ont tendance à se dire bah, « je prends quelqu'un du nucléaire, je le mets dans l'agroécologie et roule ma poule, tout va bien bah ». Ben non, c'est pas des flux, c'est des êtres humains. Et que se former, bah moi, je ne sais pas si je serai en capacité d'être formée à un autre métier que celui que j'ai pu faire jusqu'à présent. Voilà, donc c'est tout ça qu'il va falloir avoir en tête, mais ça va le faire. Merci, merci Aurore. Alors, les applaudissements témoignent de ce que je voulais vous dire d'abord. Vous avez été excellents, tous les quatre. Mais merci beaucoup, donc on peut encore les réapplaudir. Juste quatre mots, pas pour conclure, mais pour ouvrir des chantiers. Quatre mots que j'ai retenus. La croissance n'est pas une finalité. Et je pense qu'on a eu raison de se mettre sous le signe de Keynes. Le mot de sobriété qui est revenu souvent. Comment faire, j'allais dire, une croissance de la sobriété. C'est un oxymore. La question des finalités qui a été posée aussi, qui est là aussi... La paternité de Keynes, et derrière ça, la question de la démocratie, alors que ce soit sur les indicateurs, sur les finalités, etc. Et ça, c'est le cœur de ce qu'on a voulu faire avec Philippe, avec l'IDS. Donc, rendez-vous, j'espère, l'année prochaine et entre-temps, dans les travaux que nous allons relancer. Merci en tout cas à tous.